Mesdames et messieurs, salut à tous. Mes nouvelles, mes premiers bulletins de nouvelles que l'équipe de Télé-Éclair Haïti a porté par nous-mêmes pour journée qui 7 janvier 2021. Et non, il faut avoir un gros blocus jeudi là par rapport avec le manque d'essence qui est toujours absent dans le pays, qui a un problème d'essence, sans pile machine par une côté pour sortir. Et puis, problème de l'eau qui envahit sur votre rail dans Bizoton 6, là, côté équipe Éclair a fait un reportage. Parce qu'il est arrivé dans un an, de l'eau envahit un an depuis 31 décembre, je dis à 7, en quelle solution pour rejoindre, mon Dieu commence à prendre la rue. Donc, équipe Zéclair a regardé ça pour regarder qui gens s'attayaient. Donc, nous parlons fort ouais, comment équipe Zéclair est allée dans un an, il a rencontré avec Mère Jude Edouard Pierre, côté Jude Edouard Pierre de Bayon. Et interview, et puis nous pourrons forward également quelques mots dans un an qui a expliqué et corvée qui a fait dans un an de grande dame qui a 4 filles dans Cali, qui habitait dans Bizoton 6, et bien il dit qu'il y a tant l'état pour capable de faire causer pour eux. Parce que mais toute la mètre casa est quittée, on va se loter pour là. Mais là, ouais, va monter toute la mètre. Ouais, va tellement dormir, ouais, j'en fais la nuit. C'est pour nous aller sur le marché là, pour nous aider à sécher. Ok, mais depuis qui l'eau ça envahit nous là? Depuis le 31 décembre. Oui, mais ça nous a fait nous-mêmes pour nous arriver au Québec jusqu'à jeudi à 7 janvier. Non, moi-même, ça veut dire que nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait là. Et nous avons venu depuis nous avons fait là, dans l'émergé. Nous avons venu de l'eau là. Même vin pagé l'autre côté malé là, moi j'étais m'obligé rete. Mais qui ça et nous magistrat du présent qui ça lui dit non de confiance et qui travaille pour faire. Bah c'est une coco elle-même. Attend là pour t'aller. Moi même pas aller l'autre monde yo doit aller devant même pas gain temps va comprendre. Et moi maman ti moi même papa et celle me clave. Mais combien petit tout gain dans cas là? 4 filles. 4 filles mais est-ce à l'école? Oui, à l'école mais pour dans l'eau là, pas ca aller. Ok, mais et qui ça a demandé autorité ou même? Oui, ok, de m'bouti, ça veut dire si elle a vingé pas arrêté, m'ka sorti mal de l'autre côté ou bien. Ça y avait de m'fè, vous avez de m'fè. D'accord, merci. Maire de Carrefour-là, Jude Edouard Pierre, bon côté parle, du fait qu'on est que une des premières solutions qu'il a cherché, c'est écraser quelques cailles. Pour être capable de démolir, bah, ils ont un plus d'espace. Mais pour être capable de démolir tout l'espace à eux, ça ne va pas répondre à la mairie de Carrefour pour faire ça. C'est travaux publics eux-mêmes. Il faut que le gouvernement mette un petit peu plus l'argent pour être capable de dédommager Mounio. En attendant, M. Jude Edouard Pierre, dans une interview avec l'équipe de Télé-Éclair et dans Carrefour. Nous avons fait un travail de démolition de la maison depuis environ 3 ans. Jusqu'à présent, l'État central peut débloquer comme pour faire. Il y a peut-être parce que la mairie a une capacité pour faire projet ça lui-même. Mais pas une solution définitive. Si ça va pas casé depuis le mini ça, bon m'a dit pour un bail, si tu as mis un faut que tu as élargi le canal là, dimension canal là, pour faciliter que les possibilités de faire curage. Bon espace à gazé tout à l'heure là. Pour qu'on ait possibilité d'appel là pour faire curage et éviter qu'il n'y ait pas de produit demain ou bien après. Mais c'est une solution définitive parce que il doit passer par démolition ou ensemble de maison et former un mieux pour nous comme ça. D'accord, merci magistrat. Merci. 6 Outraï dans la commune Carrefour, Haïti. Voilà, on a rentré. Allô? Voilà. Ça c'est ma banane la batterie là. La batterie en banane. Côté de l'eau lui-même. Il envahit quand même ça. Voilà. Et ça c'est une entrée.
Voilà, et comme ça, la situation est dans la banane. Jacques nous dit là, nous avons un côté que l'eau a lui-même bien vaillé, Kaimoun, et il prend route là tout. Il y a plusieurs cailles qui sont inondés dans la commune et Carrefour. Voilà, et là, ça son côté, nous avons même retiré de l'eau. Et puis, on met les mains ensemble, et puis on retire le l'eau. Voilà, et ça s'est écouté de l'eau à lui-même. Il est passé, et on est même au béton, et retire un peu dans l'eau. Parce que si à 5h du matin, ça a été fait, ce qu'on a regardé là, toute la l'eau a été prise. Et la population met ensemble, ils ont nettoyé les cailloux. Ce qu'on a regardé là, là, on est toujours dans la banane. Et maintenant, c'est là et l'aide de l'eau lui-même les trois fatra les bouchers les vins cause les renversés et dans l'espace ça pour le temps et Kaimounio et voilà c'est construction ça au même magistrat a parlé tout à l'heure qui mal fait c'est Kaisayo le magistrat a dit et il va voir qui j'en peux faire pour caser il va faire intervention dans l'immédiat pour caser pour capoter une solution à monde et qui vivent dans Bizoton 6 et dans la zone de banane. Vous voyez, l'eau ça lui-même sorti dans la tête de Kini. Ce sont de l'eau qui font en pile et qui descend là. Voilà, c'est tout ça nous-mêmes et notre les éclairs. On fait en Haïti et caméraman nous, c'est Patrick Devarine. Et mon qui n'a pas la voix là, c'est Mendel Jean, journaliste nous, qui l'a et qui a porté tout ça gain comme information dans le pays d'Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Bah, il était passé dans Carrefour. Donc, c'est là que nous avons campé avec Nouvelle-Lou. D'abord plus nouvelle encore, n'a pas l'eau capable abonner avec chaîne noire et puis bah un like et de moyens pour nous capable porter l'autre nouvelle pour même depuis nos jeunes nouvelles n'a porté le pour même. Donc c'était l'équipe de Télé Éclairs avec Mendel Jean et puis Patrick Devarine dans Carrefour pour Télé Éclairs dans Port-au-Prince.